charu pela gogo mi vo mi nomu jo. De tout ton cœur. Apprécie-le. Et dis-lui, tu as une bénédiction pour moi. Alléluia. Et commence à le respecter, à l'honorer. Parce qu'il a une richesse pour toi. Les salutations de la part de notre pasteur, honorable pasteur Mathieu Topa, et ainsi que de sa femme pour toi. Et continue à t'exhorter, à t'encourager. Te disant, ne te décourage point. La nouvelle vie dans laquelle tu te trouves se manifestera sûrement dans ta vie. Amen. Amen. Il m'a remis ce message pour toi. COVID a le troisième COVID est déjà dans le monde. Et on a encore Lesa Fiva. Lesa Fiva, voilà le nom qu'on lui donne. Et tu as dit à partir de maintenant, le ben nouvelle vivio a wakpaoro ki ogbo nwe. Les enfants ou les fidèles de nouvelle vie doivent bien veiller sur eux-mêmes. Asina nam megaleo. Il n'y a plus question de se serrer les mains. Il faut encore respecter les distanciations sociales. Et cache-né. Le port des cache-nés. Nous sommes à les cache-nés. Et la nouvelle vie. Et sont à nouvelle vie. Et le lavage des mains. Nous allons reprendre toutes ces mesures. Dans les liens. Fika ocho we echo elaobo. Cette maladie vient d'où? Et elle vient des animaux. Eye elayo oyobe kisi allo allegali. Les rats. Ça provient des rats. Le enyilayo cho dutao, ainsi que la viande importée. Le coclo la yo cho dutao. Oui, dans leur ensemble. Le hola. Et la viande d'agouti. Oto ani coclo a le coclo ada. Élève ta propre volaille et wa. Consomme-la. Et yo cho dutamo. Mais les importer. Ogbo cho me dans le lale. Les maladies viennent d'elle. Ainsi donc que nous devons nous préserver et de demeurer dans les mesures. Partout où tu vas, porte ton cache-nez. Et cette maladie, et quels sont les signes ou les symptômes? Tu constateras que tu as mal à la tête. Grippe lavano. Et la grippe vient. Fodomela novo. Et tu as mal au ventre. Akotala novo. Tu as mal à la poitrine. Ola no de gazé. Et tu fais la diarrhée aussi. Ola no de foua. Et tu vas et chier du sang aussi. Edo ola trouve un toi. Et des fois tu peux vomir du sang. Le benedo kio. Alors garde-toi bien. Nouvelle vie, le benedo kio. Fidèle de nouvelle vie, garde-toi bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.
Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle n'en est pas ma. Et vois-tu quelque chose? Lève ta main droite et dis aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, Mao Agafo nous n'aimito Chevier Pastor. Dieu s'en faut aussi modeste dit. Dieu va nous parler par le pasteur de Chevier Pastor aussi modeste. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Akwa wasiona, praise the Lord. Louons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je me réjouis de te voir ce matin. Dis à celui qui est à ton côté. Mon frère, ma soeur, je me réjouis du fait que je te vois ce matin. Praise the Lord. Alléluia. Les frères de Tchédier vous saluent. Amen. Amen. Aujourd'hui est un jour spécial où tu verras la grandeur de Dieu, où tu verras sa gloire, où tu verras les actions puissantes de ses œuvres. Alors unis-toi à moi pour la prière. Oh, fia, yes, yeah, Nayawah, and my dog, oh, fia, Nayawah, and my dog, oh, dead, okay, oh, fia, my bad, Nayawah, and my dog, yes, we are, and I know her, and my dog, and that okay, and what's ya, that okay, and what's ya, and that okay, and what's ya, and I know her, and my dog, and that okay. Yes, we are. And I know her. And I don't cry. And I don't care. Oh, yeah. Yes, we are. And I know her. And I don't cry. And I don't care. Oh, yeah. Baby. And I know her. And I don't cry. And I don't care. Oh, yeah. Okay.
Et dis-lui de se révéler ce matin. Jésus, révèle-toi à moi ce matin. Par la puissance de ta parole. Révèle-toi à moi ce matin. Dans la délivrance. Dans la guérison. Dans la, l'octroi de la vie. Par les œuvres puissantes. Jésus, révèle-toi. Tu es mon Dieu. C'est toi mon rédempteur. Tu es le rocher puissant. C'est toi le roi éternel. C'est toi le tout puissant. Dans le nom de Jésus Christ, révèle-toi. Jésus, révèle-toi. Et manifeste ta puissance. Prie et dis-le lui. Dans le nom de Jésus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Agape kae. Agape kae. Agape kae. Wagbana wa ma wa ma. Agape kae. Agape kae. Nous te remercions ce matin. Nous nous prosternons devant toi. Car tu es le seul roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le tout puissant. Et rien n'est impossible à toi. Et rien n'est au-dessus de toi. C'est toi qui as envoyé ta parole au milieu de nous ce matin. Et la parole nous a vivifié. Et la parole nous a guéri. Et la parole nous a fortifié. Et nous a placé sur des hauteurs. Dans le nom de Jésus-Christ, les méchants sont honnis. Tous les adversaires sont enfoncés. Les œuvres de Satan sont totalement anéanties. Merci à toi pour l'œuvre de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Kanani Gbalaji. Miade Godo. O Kanani Gbalaji. Miade Godo. Ya choko tre koko. Akle fevie dodo. Kanani Gbalaji. Miade Godo. Kanani Gbalaji. Ya de godo,
Adegodo. Amen. Amen. Nanifa. Tu peux t'asseoir. Nifa benamiasi. Nous sommes venus pour entendre quelque chose de la part de l'Éternel. Et de continuer dans la prière. Le thème de la parole de Dieu. Sache que nos différences, merci, que sinon sont des richesses. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous ce que tu dois savoir. Ceux qui ignorent cette parole, frères et sœurs, sont ceux qui se haïssent. Ce sont eux qui cèdent aux disputes. Ce sont eux qui cèdent à la haine. Ce sont eux qui méprisent les autres. Mon frère est différent de moi. C'est une richesse, un trésor. C'est une bénédiction pour moi. C'est très important pour moi. Alléluia. Il va m'aider. Elle va me faire avancer. Elle fera en sorte que ce que Dieu me demande de faire dans cette vie, que cela se réalise. Mais si celui-là ignore ces choses, celui qui va l'aider, celui qui va l'encourager, celui qui fera en sorte que le dessein se réalise dans sa vie, il va le faire périr. Et lui aussi, il sera détruit. Frères et sœurs, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, ainsi que tout ce qu'il renferme, c'est un Dieu de diversité. C'est un Dieu de diversité. Praise the Lord. Alléluia. Et on a nous hamé hamé. Il fait les choses différemment. Et rien n'est comme l'autre. Il a créé Adam et Ève. La Bible dit, il les a créés à son image. Et pourtant, ils ne sont pas semblables. Ils sont différents l'un de l'autre. Ils étaient un, oui. Mais si tu les vois, Adam, son apparence est différente de celle de Ève. Et cette différence-là, c'est une richesse. Praise the Lord. Alléluia. Dans les familles, dans les villes, dans l'église, nous tous nous sommes venus. Et nous sommes différents les uns des autres. Et cette différence-là est une richesse. Praise the Lord. Alléluia. Ce que tu es potentiellement, le don qui est en toi, et c'est grâce à lui que tu es roi. C'est grâce à lui que tu as un siège. Si tu comprends ceci, il n'y aura pas de conflit de poste. Non. Et si tu vas comprendre quelque chose ce matin dans la parole de Dieu, et tu connaîtras qui tu es, celui que tu es pour Dieu, le don que tu as, ce que tu es venu faire, et parce que tu as ton champ d'action là où tu dois travailler dans l'église, aucun événement, aucun acte, aucune démarche ne fasse en sorte que tu mettes ton talent dans un trou. Vous vous tutoie. La différence. Et donc, au message déjà, alors. Tu te rappelles d'un certain message, n'est-ce pas? Praise the Lord. Alléluia. Toi que sinon ta différence donc est une richesse. Mais les bien naturels de tu ne dois donc pas te comparer à un autre. Celui qui a fait des études élevées à son champ d'action. Celui qui n'a pas aussi fait des études à sa part à faire. Professeur titulaire. Le professeur titulaire à l'université, à son poste, à lui. Le tailleur aussi à son travail à faire. Praise the Lord. Alléluia. Et chacun avec son trône. Chacun avec son appel. Chacun avec son don. Chacun avec son champ d'action.
La différence. Allons maintenant dans la Bible. 1 Corinthiens, le chapitre 15. Du 39e au 41e verset. 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Corinto to pa gban legma to ta wi aton. Wi ki bla to vo achie ke ba se de bla ne vo de keliaji. Menye la o katanye la de kapo me vi o. Ke amegbe to pe la le vovo. La fone o pe la le vovo. To men la o pe la le vovo. Revi o pe la le vovo. Eye ji po ngutin la oli eye anyigba ji ngutin la ohali ka ke ji foto wenti kokwele vovo eye anyigba ji to o to le vovo re po ngutin kokweli le vovo eye le ti po ngutin kokwe ha le vovo eye le ti yo po ngutin kokwe ha le vovo e la bena vovo le ti vi ple le ti vi domen. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous kemo djibe yakblonani. Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Dieu nous parle en disant que lui l'Éternel, qui a créé toutes choses, il a tout créé pour un objectif précis. Amen. Amen. Mais wa gbeo, j'ai créé les herbes. Mais wa tikutetcheo, j'ai créé les fruits des arbres. Les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers. Et yo le vovovovo. Et ils sont différents. De siade ple fo dope. Chacun avec son champ d'action. De siade ple nous sikel leme. Chacun avec ce qu'il renferme. Nena de kemel si le tokede ola. S'il n'a rien de spécial. Mais le bena magawo akpere bubunchio. Alors je ne dois plus l'ajouter à autre chose. Voilà. Et wa mesiko ma una o jiola. Toi qui par la grâce de Dieu on t'a engendré, Nyebena. Tu dois savoir Odofeli. Que tu as ton champ d'action. Wa mesiko mo kwa hame amela. Toi que Dieu a amené au sein de l'église, Nyebena. Tu dois savoir Nabitenevado. Que tu es venu pour un but précis. Et ben la fone o funti na le vovo. Il dit il y a la chair des quadrupèdes. Il y a également la chair des hommes. Il y a également celle des oiseaux. Et celle des poissons aussi. Il y a une différence. Et d'une chair à une autre. Praise the Lord. Alléluia. Et l'éclat du soleil est différent. Autre également est l'éclat de la lune. Autre aussi est l'éclat des étoiles. Et même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Il y a le champ d'action du soleil. Il y a le champ d'action de la lune. Les étoiles également. Elles sont nombreuses. Et chaque étoile a sa fonction. Cette parole est tellement profonde. Praise the Lord. Alléluia. Si tu peux savoir qui tu es, celui-là que tu es, ce que tu as en toi, tes potentialités à toi, mon frère, ma soeur, tu ne vas jamais te quereller. Jamais. Tu ne vas jamais t'agiter.
On ne verra pas la cupidité chez toi. On ne verra pas la haine chez toi. Tes réflexions ainsi que ta joie seront ce que Dieu a mis en moi. Que j'arrive à les révéler. Praise the Lord. Alléluia. Le don que Dieu m'a donné ou m'a fait. Que j'y travaille. Dans les familles. Frères et sœurs, nous sommes nombreux. Mais les fonctions ou les champs d'action sont différents. Dans les villes ou dans les pays, les gens sont nombreux. Nous qui sommes les autorités, ceux qui sont au pouvoir, par exemple, doivent comprendre que l'opposition n'est pas leur ennemi. Non. Opposition. Que l'opposition vient l'aider pour que ce qu'il entreprend maintenant, qu'il arrive à mieux le faire. Mon frère, ma soeur, sois attentif. L'opposition sera quelque chose qui va l'alerter et fera en sorte que personne ne fera mourir un opposant. Parce que son champ d'action est très important pour toi. S'ils ne comprennent pas ainsi les choses, alors tous ceux qui vont chanter pour eux, tous ceux qui vont les féliciter pour leur dire que mais toi c'est bon, nous n'avons aucun problème, que tout va très bien, oui, et tout le monde va acclamer. Le pays dans lequel ça se passe ainsi, ce pays ne se développe pas. Et les habitants du pays sont frustrés. Ils sont découragés. Et finalement, ils se révoltent. Praise the Lord. Alléluia. La différence, nos différences sont des richesses. Au sein de l'église, Dieu a fait venir plusieurs, chacun avec le don qu'il a en lui ainsi que ce qu'il va faire. Si tu sais qui tu es, mon frère, ma soeur, le travail que tu vas faire, c'est éternel, aide-moi que je révèle mes dons pour que cela profite aux fidèles de l'église, pour qu'ils profitent à la famille, pour qu'ils profitent au royaume de Dieu. Et c'est uniquement ce que tu vas faire et c'est ce que tu vas penser. Et c'est quoi la bénédiction? La bénédiction viendra abondamment sur toi. Praise the Lord. Alléluia. Mais si tu ignores ceci, ce que tu vas faire, ce qui va t'arriver, je vais te le montrer. Et par un exemple, un jeune homme appelé Abimelech. Praise the Lord. Alléluia. Tu le connais bien, n'est-ce pas? Abimelech, il est fils de Gédéon. La Bible dit que Gédéon avait pris plusieurs femmes. Et il a eu plusieurs fils. On n'a pas donné le nombre de ses filles. Mais il a eu 70 fils. Praise the Lord. Alléluia. Et par sa concubine, ou avec sa concubine, il a eu aussi un fils appelé Abimelech, qui est de Sichem. Après la mort de Gédéon, quelque chose s'est passé. Mon frère, ma soeur, ce que nous voyons ici, cela se passe dans les maisons. Cela se passe dans les nations. Cela se passe dans les entreprises. Cela se passe dans les églises. Et ceux qui sont comme le fils de Gédéon, Abimelech, oui, ceux qui ne savent pas qui ils sont, ceux qui ne savent pas que leurs frères qui sont différents d'eux, qu'ils sont des richesses, qui sont des outils de travail, qui sont très importants devant Dieu. C'est pour cela qu'ils sont venus dans le monde. C'est Dieu qui les a désirés. Alléluia. C'est Dieu qui les a fait venir dans ce monde. Le dessein de Dieu doit se réaliser aussi dans leur vie. Si tu ignores ceci,
Quiconque voit différemment de toi, il devient la bête à abattre. Parce qu'il ne le voit pas comme lui, il ne vivra donc pas. Et il ne se soumet pas à moi. Il n'existera plus. Et dire que ton siège à toi existe et que personne ne peut occuper. Non. Ton don. Tes potentialités. C'est ce qui te donne ce siège. Il est dit que le don de l'homme, oui, bien les présents d'un homme, les présents d'un homme lui élargissent la voix. Lui élargissent sa voix. Et yo kulone, il a des fiao nkume. Et l'amène devant les rois. Onu nana, ton don à toi. Musike ne nyawo. Ce que tu sais faire. Musike le meo. Ce qui est en toi. Yelena wasipe. C'est ce qui te donne un siège. Praise the Lord. Alléluia. Yelena bene nye fia. C'est grâce à lui que tu es roi. La physique ne l'est. Là où tu es. Yodolaji. C'est ce que tu dois chercher. Nous kaye menye na maou. Que suis-je pour Dieu? Nous kaye le menye. Qu'est-ce que j'ai en moi? Nous katamele hame yamedo. Pourquoi suis-je dans cette église? Et la bena maou yek plomba. Parce que c'est Dieu qui m'a amené. Menye nye toye va. Je ne suis pas venu de moi-même. Nous kayo be ma vawo. Qu'est-ce qu'il me demande de faire? Yola noji. C'est ce que tu dois rechercher. Abimelech là. Frères et sœurs, Abimelech n'a pas connu ces choses. Il voulait juste régner. Il voulait être un chef. Et il a été détruit. Juge, le chapitre 9. À partir du premier verset. Et Abimelech, Yerubal vit, il dada nos vies au bord, le sikhem. Et yo pour nous plio bakle dada fofo pour me okata bena mi pour nous desikem to peto me bena kaenyo na mi u Yerubal vi blandreo katana du fiade mi ajilo alo amedeka na du fiade mi ajia mi nye bena nyenye mi afu ble mi anchila tete dada no vie au blo nyasi au kata de sikem to kata putume eye opoji to de Abimelech ela bena obuyu obuyo ono vie o de crossalo blandre ne cho bal berite pe gbedo home eye Abimelech tue da ya kameo eye ame vlo je eyome mano te vie. Juge chapitre 9, du 1er au 4e verset. Abimelech, fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla. Ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère, dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, domine sur vous ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétaient pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car il se disait, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 sicles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérit. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allaient après lui. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Gideon fait comme Bella. Après la mort de Gédéon, Abimelech s'est né au bord. Abimelech alla vers ses oncles. Et nous avons pas dit. Du côté de sa mère. Et ma bien misé. Et il dit, je vous pose une question. Mon père a 70 fils. Voulez-vous que tous dominent sur vous?
Ou qu'un seul règne sur vous. C'est quoi le règne? C'est ce que plusieurs ignorent. Chacun est roi. Jésus est le roi des rois. Praise the Lord. Alléluia. Et chacun parmi nous est un roi. Oui. Oui. Et ce que Dieu t'a donné, tes potentialités, c'est dans cela que tu es roi. Écoute bien cette parole. Et il y a ta conflit de trône. Alors, les conflits de trône ne devaient pas exister. Si tu peux connaître ta place, il n'y aura pas d'agitation. La parole est celle-ci. Qui suis-je pour l'Éternel? Qu'est-ce qu'il m'a appelé à faire? Et où est-ce qu'il veut que je reste? C'est ce qui est important, c'est tout. Dans l'exercice de cette fonction, ce n'est pas une affaire de famille. Toi, tu es mon frère. Viens t'asseoir ici. Toi, tu es mon neveu. Va t'asseoir là-bas. Toi, tu es mon cousin. Et ne vais-je pas chercher ton bien? Tu n'es pas qualifié, certes. Mais reste là-bas. N'est-ce pas ce qui se passe dans le monde? La Bible dit: Abimelech alla vers ceux de Sichem. Et les habitants du père de sa mère. Voilà. Et il leur demanda: que cherchez-vous? Je suis l'os de vos os, la chair de votre chair. Je suis votre frère. Est-ce que vous n'allez pas m'établir roi? Voilà l'explication. Il a dit que cela toucha le cœur des habitants de Sichem. Et parce qu'ils prenaient Abimelech comme étant leur frère. Et les, ce qu'on fait dans la famille. C'est triste. Et ils ont pris de l'argent dans un couvent de vaudou. Et ils sont allés payer à prix d'argent des misérables. Et qui sont venus aider Abimelech pour aller tuer tous les 70 fils de Gédéon. Mon frère, ma soeur, et quelles sont tes guerres? Nous cafons. Quelles sont tes luttes? Merci. Nous qu'a dit mienele. Que désires-tu? Nous si Kenya m'a nettoyé toi. Ce qui est à quelqu'un, cela lui appartient. Praise the Lord. Alléluia. Ne oui hala. Même si tu le fais mourir, matema huele si. Tu ne pourras pas le lui prendre. Mais quel est wogeo? Car tu ne pourras pas le faire. Yebe vovo totore. Et sa différence? Yaya yonye nao. C'est une bénédiction pour toi. Qu'est-ce qu'on nyenao? C'est une richesse pour toi. Ola diakpe na mule pak betaye. Tu vas rendre grâce à Dieu pour sa vie. Ola tu emose. Tu vas l'encourager. A tué den kobe. Tu vas le faire avancer. Yake la figerewa. Mais dans plusieurs endroits. Ah ola. Non. Non. C'est le contraire, il n'existera plus. Les hamela mela. Au sein de l'église, nous devons savoir papa chichiwa ya ira onyenami que les hommes âgés sont une bénédiction pour nous. Ils sont une richesse pour nous. Midola bu. Nous devons les respecter. Midola lebena. Nous devons en prendre soin. Midola kpiri wanchi. Nous devons les aider. Papa chichiwa onyenyebe. Les vieux doivent savoir sorewa que les jeunes hommes sont des richesses pour eux. Car un temps va venir pour ces vieux où ils chercheront à faire certaines choses. Mais il n'y aura plus de force pour cela que les vieux ne se trompent pas. Et une fois que le jour et la nuit se succèdent, la force aussi s'en va. Alors les jeunes hommes ne sont pas les ennemis des vieux. Mais c'est une bénédiction. C'est une richesse. Praise the Lord. Alléluia. Et les vieux et les jeunes doivent savoir que les enfants, les plus jeunes sont des richesses pour nous. Que c'est là notre avenir. Frères et sœurs, si nous savons toutes ces choses,
Il n'y aura pas de dispute. Certes, les visions seront différentes. Parce que ce que les vieux voient, tel qu'ils le voient, ce n'est pas toujours la même chose chez les jeunes. Non. Non. Pour cela, les vieux doivent savoir ceci. Et cesser d'être agité ça et là. Et collaborer avec les jeunes. Voilà ce que nous nous faisions avant. Voilà comment moi je le vois. Et vous, génération du numérique, la génération du numérique, vous alors, comment le voyez-vous? Comment pouvons-nous le faire? Si les vieux rejettent les jeunes, la maison aura des problèmes. Le pays aura des problèmes. Et l'église aura des problèmes. Si les jeunes disent, papa, on va les dépasser. Ces vieux-là sont dépassés. On est à Timine, qui nous laisse tranquille maintenant. Et tu dois savoir papa, le ponadeo, que le vieux, lui, il voit certaines choses. Ponadeo, il a été témoin de certaines choses. Et moi, si que djine, là. Le chemin sur lequel tu te trouves, papa, zinva, le vieux l'a déjà fait. Tane, tu es pour foube, là. Alors, si tu rejettes sa parole, et mon lodege, tu seras pris au piège. Bebele, et tu seras détruit. Lesiata, pour cette raison, collaboration, la collaboration, c'est elle qui est importante. Praise the Lord. Alléluia. Na, mais, si, ame, ni, nye, et que tous sachent ame, de, si, de, la, pui, ame. Que chacun dans la maison, ame, de, si, de, le, tu, ame. Que chacun dans le pays, ame, de, si, de, le, ame, ame. Que chacun au sein de l'église et le, vive, de. Est très important. Yo, pui, do, pui, li. Il a son champ d'action. Alléluia. Amen. Soro, le, sema. Jeunes gens, est-ce que vous entendez? Vous êtes très important pour nous. Nouvelle vie, les jeunes de nouvelle vie. Si vous n'êtes pas là, l'église n'a pas d'avenir. Praise the Lord. Alléluia. C'est là la vérité. Mais vous devez aussi comprendre qu'il y a une sagesse de Dieu. Des défis à Delhi. Qui a une certaine révélation. Qui a une certaine connaissance. Qu'on ne reçoit pas à l'école. Ah ou. Non. Soukoulou ben nous fia réunion. Et l'enseignement de l'école, c'est bon. Mais ce n'est pas suffisant. L'école de la vie. Et n'y a bouillé. C'est carrément une autre affaire. Praise the Lord. Alléluia. Et tout nous gardons. Et ton père a traversé beaucoup de choses. Ta mère a traversé beaucoup de choses. Et nous, les cotokoumenés. Il a des choses dans sa poche. Merci. Et nous, les nous dira l'opéné. Il a des choses en réserve dans son trésor. Et c'est ce qu'il va te donner. Mais gado voulu. Ne le méprise pas. Et la bénéva kounyaga. Parce qu'il est, elle est devenue vieille. Et la bénéva koutogbe. Parce qu'il est devenu vieux. Ah ou. Non. Vovo tout toi ou. Les différences. Que sinon. Sont une richesse. Praise the Lord. Alléluia. Oh, tu dis blanc, ou gomag, belle, quoi, c'est 70 fils furent tués ce jour-là. Et yo doit Abimele se fia. Et Abimele fut intronisé. America quoi si jou. Un seul a pu s'enfuir. Oh, yabé Jotam, vivien, vivien. Et Jotam, c'est le plus petit, le Benjamin. Et yes, mais que vous savez, non, oh, il faut faux catala. Et quand il a appris que tous ses frères ont été tués, et toi, Jodé, Doda, Abimele se, plaisirem tau. Il a dit une énigme ou un proverbe aux habitants de Sichem. Et Abimelech. Continuons et voyons. Lisons à partir du verset 7. Et yo glonya siana yotam. Et si yo glonya siana yotam là. Et il a titré de guérisim tolaji. Et yo dorisessien blona obena. Mais si kemto mi dotom. Nemma unado tomi. Bedeka atiobe yo wado fiade yo do queen. Eye o bolona amichi bena. Du fiade miaji. Tete amichi bolona obena. Magbele nya misi mawo. Kla miagbeto kafuna nam ladi. Nemma yano agbasamde atiojia. Atia o bolona goti bena. Oya vadu fiade miaji. Tete bochi blona obena. Magble nye chi vivi. Ble nye kuche che kwasi odi. Nema ya nano agbasamle ati ojia. Ati ya blona wane kabena. Uya va nadu fiade miaji. Tete wane kadongu na obena.
magbele nye cheche mechi si dua jijo na mawo ble amiagbeto uladi nema yi adano agbasam de atiojia. Praise the Lord. À partir du verset 7. Nous quelle est la fille? Que se passe-t-il ici? C'est là. Entends. Jotam fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les a partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur vous, sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui rejouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Praise the Lord. Alléluia. Mon frère, ma soeur, sois attentif à cette parole et découvre. Il y a beaucoup de sagesse dans ce passage. Beaucoup de science dans ce passage. Jotam a dit, vous habitants de Sichem, écoutez-moi et que Dieu vous écoute. Les différences, oui, que sinon sont des richesses. Vous ne le savez pas. C'est pour cela que vous êtes parti vous joindre à Abimelech. Et vous avez renversé les arbres. Et vous avez brûlé les arbres. Et vous avez tué les hommes. Un jour, les arbres ont voulu se donner un roi. Et ils dirent à l'olivier, toi, viens régner sur nous. Et l'olivier leur répondit, moi, mon huile, que les grands aiment, et cela assure l'honneur au roi. Mes potentialités à moi, ce qui est en moi, ce pourquoi Dieu m'a créé, si je les révèle, les gens sont dans la joie. Les femmes se réjouissent. Et parce qu'elles soignent d'huile, ceux qui travaillent dans les parfumeries se réjouissent. Parce qu'ils ont la matière première. Ce que moi je révèle, mais je sais, je le connais. Je vais renoncer à cela. Et venez planer sur les arbres. Et qu'on vienne me faire des discours. Et que j'acquiesce de ma tête. Pour que j'aille inaugurer les choses. Et c'est fini. Et ma potentialité va rester dans le trou. Non. Je ne veux pas être roi. Je suis déjà roi dans mes talents. Praise the Lord. Alléluia. Je suis déjà roi dans mes potentialités. Les gens ont besoin de moi. Merci. C'est pour cela que je dois les satisfaire. Je n'ai pas de temps pour ce trône. Ils sont allés vers le figuier. Et le figuier a dit la même chose. La sève de mes fruits que Dieu aime ou apprécie et que le roi apprécie, je vais les laisser et aller planer sur les arbres pour m'occuper des querelles des arbres. Oui. Mais la racine de celui-ci est passée sur ma racine. L'autre, son feuillage, est venu couvrir mes feuillages. Non. Je n'ai pas ce temps. Praise the Lord. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu sais qui tu es, il y a des propositions qu'on te fera et tu refuseras. Ceux qui ne savent pas qui ils sont, ce sont eux qui sont assis là-bas. Et pour ce qu'ils vont trouver à manger, ils restent dans la folie à cause de l'argent qu'on va leur donner. La Bible dit, pourquoi l'insensé a l'argent dans sa main pour acheter la sagesse? Et pourtant, il n'a pas de sens. C'est une grande affaire.
Sage, es-tu prêt? Praise the Lord. Alléluia. Et insensé, est-ce que tu es prêt? Examine bien la chose. Les potentialités qui sont en toi. Ils sont allés vers la vigne. Et la vigne a dit non. Moi, mon vœu. Les rois ne prennent pas de l'alcool, du sorabi. Et qu'on distille avec des clous en métal. Non. Efiawa. Les rois. Vin bien distillé. C'est du vin bien distillé. Qui a le pomme là, là, là. Et qui paraît d'un beau vif. Merci, qui sinazo. Et qui est étincelant. Yéwa. Voilà. Des perles. Des perles. De bas vers le haut. Ye wanto kokone. Et c'est ce qu'ils soulèvent. Ben, tchin, tchin, tchin. Et ils font santé, tchin. Santé. Nous, on y a de nature, ouais. Et c'est ce que moi je donne. Magble daddy. Je veux renoncer à lui. Moi, une vigne allait planer sur les arbres. Non, je me connais. Ah oh, mais je suis le cognon. Praise the Lord. Alléluia. Mais je sais qui je suis. Et je refuse cette offre. La Bible dit. Et ils sont partis vers les ronces ou l'épine. Buissons d'épines. Des buissons d'épines. Il y a plusieurs qui sont comme des buissons d'épines. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas leur potentialité. Et ils disent aux buissons d'épines. Oya. Toi. Viens régner sur nous. Non, vio. Frères et sœurs. En vérité. L'épine n'est pas une mauvaise chose. Vois-tu, plusieurs ne comprennent pas la parole de Dieu. Et ils méprisent le buisson d'épine. Et puisqu'il ne peut rien faire. Le buisson d'épine fait beaucoup de choses. Et du côté de l'élevage. On s'en sert pour faire des haies. Parce qu'il y a beaucoup d'épines. Oui. Oui. Donc, les jardins, mais que ce soit dans un jardin. Ou là où il y a les brebis. Non. Et quand on prend le buisson d'épines pour en faire une haie, une culture. Alors, foutez bobo. D'autres bêtes ou d'autres ennemis ne pourront y entrer. On veut l'épine ou le buisson d'épines. Plusieurs oiseaux vont faire leur nid là-bas. Parce que et parce que les épines sont le symbole de la protection. L'épine. Ces épines, oui, le buisson, centre de stockage. Sont comme un centre de stockage. Echi. Oui, l'eau. Uh-huh. Oui. Et nous Et le buisson d'épines a pourtant beaucoup de choses. C'est valorisé. Et qu'il peut valoriser. Et que je m'occupe de ce qui me regarde. Mais l'épine, le buisson d'épines dit. Et c'est la suite. Si en vérité vous voulez que je règne sur vous, cela ne vient pas de moi, c'est vous qui le désirez. Alors venez. Venez vous cacher sous moi. Et que le feu sort du buisson d'épines pour consumer les cèdres du Liban. Mon frère, ma soeur, si on met quelqu'un là où il ne devait pas rester, c'est du feu, c'est la ruine, c'est la perdition. Quelqu'un qui n'est pas un chirurgien, oui. Quelqu'un qui est un forgeron ou un mécanicien. Et on l'amène dans un bloc. Opéré, lui demandant d'opérer un malade. Quelqu'un a déjà crié. Tu dois savoir que c'est la mort. C'est ce qui se passe de nos jours. Ainsi, plusieurs occupent des postes qu'ils ne devaient pas occuper. Praise the Lord. Alléluia. Amène ce que Gakpokoyanya dada. Quelqu'un qui ne sait que marteler force, les choses. Force physique, oui. Il a toujours une force physique qu'il exerce. Et sa force est son Dieu. Va-t-on l'amener pour qu'il utilise les appareils qui sont très sensibles? Il va tout détruire. Car ce n'est pas là sa place.
Est-ce que tu connais ta place? Connais-tu tes potentialités? Nous allons beaucoup prier dans cette semaine. Tes potentialités vont te donner la bénédiction. Je t'aime, leur a dit. Si c'est une bonne chose, que Abimelech se réjouisse à votre égard. Et faites d'Abimelech votre sujet de joie. Inversement. Et inversement. Voilà. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez tous périr. Et puis ton père, Abimelech. 3 ans seulement. Abimelech a fait. Dieu, il est dit que Dieu envoya un esprit parmi eux. Dieu lui-même. Il envoya un esprit. Ainsi, les habitants de Sichem se soulevèrent contre Abimelech. Abimelech, de son côté, se souleva contre eux. Et tu as plusieurs d'entre eux. Et cette guerre a continué. Et c'est une femme qui a pris une pierre pour frapper Abimelech à la tête. Et lui aussi mourut. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Tu vas le faire du matin au soir. Praise the Lord. Alléluia. Mais si tu vas ailleurs et que tu occupes un autre poste qui n'est pas à toi, il va te consumer. Il va te détruire. Et tu passeras aussi. Abimelech. Praise the Lord. Alléluia. Dieu nous a amenés au sein de l'église. Et nous sommes différents les uns des autres. Le nouveau venu aujourd'hui, si son travail n'est pas indispensable, Dieu ne va pas l'amener. Écoute bien. Quiconque Dieu amène, il sait qu'il a un poste à occuper. Vas-tu le laisser exercer son travail? Et toi aussi, est-ce que tu exerces ton travail? Ou les agissements des autres, le parler des gens, la conduite des autres, ont fait que tes potentialités, tu les as fermées. Moi, je ne vais plus les révéler. Je suis fatigué. Moi, je vais rester tranquille. Et qu'ils parlent et on s'en ira. Et ce qu'ils veulent, qu'ils le fassent, on verra. Non. Que ton don ne reste pas dans un trou. Et révèle pour toi aussi. Praise the Lord. Alléluia. C'est pour cela que tu seras récompensé un jour. C'est en lui que se trouve ta joie. C'est en lui que se trouve ta bénédiction. C'est en lui que se trouve ta progression. Praise the Lord. Alléluia. Jesse. Identifie-le. Et exerce-le. Et avance. Vous vous toi ou là? Les différences que sinon nous sont des richesses. Est-ce que c'est clair pour toi? Les trônes ou les vous sont existent différemment. Oui. Oui. Nous capadjire. Et pourquoi vous querellez-vous? Chacun sait, mais est-ce que tu ne me connais pas? Mais c'est moi. Je sais qui je suis. Donc ton frère, lui, il ne sait pas qui il est. L'olivier sait qui il est. Le figuier également sait qui il est. La vigne également sait qui elle est. Et Dieu les connaît tous. Et il sait que tous sont importants pour lui. Voilà. Commence à honorer ton frère. Encourage ton frère. Rends grâce à Dieu pour sa vie. Et tu verras comment tu vas progresser. Romains 12. Nous allons clôturer déjà. Et que ces paroles nous soient bien claires. Les différences que sinon nous sont des richesses. Praise the Lord. Alléluia. Nous tous, les ramela, au sein de l'église, nous avons des champs d'action différents.
Chacun est donc important. Papa, on le veut. Les vieux sont importants. Soho, on le veut. Les jeunes sont importants. Les vieux, on le veut. Les enfants sont importants. Uchi, on le veut. Les hommes sont importants. Non, on le veut. Les femmes sont importantes. Amesi, on le veut. Tout le monde est important. Roma, toi, t'as eu éveillé. Romains 12. Chopu kui eneliadi. À partir du verset 4. Romains 12 à partir du verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nya noté vie. Attendons un peu. Romato ta yeve. Choku pe ne liaji. E la bena ale si nchi nu gedeo le nchi la de kaunami. Kake mutimo kata mewu ado de kapo medi ola nene makeni amegede o mienye mutila de ka le Kristo me hafimia dome amede ka de ka ola mutinu o mienye eye amenveve nana si o le vovovo la le miasi le amenveve si o nami lanu nene nyagbogbolodi la miagbolonyadi le khoselanu nene subo subola miawo subo suboji miano subo suboji ta flache ne amiade le nu fiamla ne nonu fiafiaji ne amiade le nu khromla ne nonu kokonji amesi nanu amela ne nanu le jime kokome amesi no amenula ne dovevie amesi po anu blanyina amela ne po eplejijo. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Les tourner à l'anti. Sois attentif à la parole. Et y a même des nana sur qui les vos. Et nous avons des dons différents. Et y a tu mieux qu'à ta fofou d'un tila de camé le Christomé. Et nous sommes tous sur un seul corps en Christ. Mon team de siade. Et chaque membre avec sa fonction. Nous allons le voir. Le jeudi. Aucun membre ne dira à l'autre qu'il n'a pas besoin de lui. Et recule rapidement. Et va-t'en. Car je sais qui je suis. Je peux rester. Non. Non. Praise the Lord. Alléluia. Mais langage m'a tombé là, si wa cho fugbe, si tu as, si tu as ce langage là, rejette-le car il ne vient pas de Dieu. Nous avons besoin les uns des autres. Et peu importe ton niveau. Et t'as rien à faire. La tête a besoin des pieds. Sinon la tête seule va sautiller. A foué la chloe. Ce sont les pieds qui vont t'amener. Tu as besoin de ton frère et lui aussi a besoin de toi. Les gammes la main. Dans l'église. Que sinon nous, minine mia nono. Nous sommes donc des richesses les uns pour les autres. Eh bien, amen, même na soke le vovovovo. Oh les miasi. Il est dit que nous avons des dons différents. Nous kaye Paul le bonne hamesiao. Qu'est-ce que Paul dit aux fidèles de l'église? Et les glona okobena. Il leur disait tout simplement. Et fiasike mienye la. Que le roi ou les rois que vous êtes. Mi deye fui doho de go. Vous devez manifester ses œuvres. Amen. Si amen le fui doho. Chacun à son niveau. Praise the Lord. Alléluia. Ne cache pas tes talents dans un trou long. C'est pour cela que Dieu t'a amené. C'est pour cela que tu es né de nouveau. C'est pour lui que tu es devenu une nouvelle créature. Tu dois continuer à l'exercer. Et nous tous, nous n'avons pas fait la même chose, non. 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 Il en a cité ici comme exemple. Que si c'est la prophétie, qu'on l'exerce selon l'analogie de la foi.
Mon frère, ma soeur. Ame gedewa. Plusieurs ne prophétisent pas selon la foi. La prophétie, c'est Dieu qui parle à l'homme. Et l'homme le transmet. Ainsi, tu dois être constamment connecté à Dieu. Sinon, Dieu va te parler le matin. Il t'a dit des prophéties. C'est Dieu qui l'a dit, pas Satan. Mais dans le soir, Dieu viendra te parler à nouveau. Et comme tu n'es plus connecté, tu vas dire que c'est le diable. Alors que c'est Dieu. Dieu a dit à Abraham, prends ton fils unique que tu aimes. Va sur une certaine montagne que je t'indiquerai. Et offre-le pour moi là-bas. Abraham a entendu la voix de Dieu. Et il savait que c'était mais Dieu. Et il n'a point douté. Il amena l'enfant. Après 3 jours de marche, oui. Quand ils sont arrivés à la montagne, et qu'il avait lié Isaac et qu'il le posa sur l'autel, sur le bûcher, et il a levé son couteau. C'est Dieu qui m'a demandé de tuer cet enfant. N'est-ce pas Dieu? Oui. Aussitôt, il a entendu une autre voix. Abraham. Ne fais pas du mal à cet enfant. Si c'est toi et moi, hey! On va dire comment? Démon, arrière de moi. Car Dieu me l'avait dit au départ. Et c'est Dieu qui dit maintenant autre chose. Que tes oreilles s'ouvrent pour l'entendre. Sinon, Abraham allait tuer pour rien Isaac ce jour-là. Alors que Dieu a déjà mis une autre provision là-bas. Dieu lui a dit, j'ai testé ton obéissance. Et j'ai vu que tu as triomphé déjà. Alors ne touche pas à cet enfant. N'est-ce pas toi qui m'as demandé de le tuer? Oui, c'est moi qui l'ai dit. Je ne suis pas mort. Je suis vivant. Et c'est également moi qui te dis, ne le tue plus. Regarde de l'autre côté. Il y a un bouc retenu dans le buisson là-bas. Si c'est une prophétie, prophétise et exerce cela selon l'analogie de la foi. Selon ce que Dieu te dit. Cherche toujours la face de Dieu. Ne t'oublie pas de peur qu'un esprit de séduction te trompe pour que tu viennes dire que c'est Dieu. Car Dieu parle. Et le démon aussi parle. Et notre cœur à nous aussi peut nous tromper. Ne confondons pas les choses. Si c'est une prophétie, selon l'analogie de la foi. De la foi. Oui. Oui. C'est là la foi. C'est là la foi. C'est là la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce que Dieu dit et que tu entends. C'est clair, n'est-ce pas? Pour cela, avant de dire c'est Dieu qui me demande de poser celui-là, c'est Dieu lui-même qui me l'a révélé. Et la manière dont, comment il est svelte, comment son visage est. Et avec son nez filé, moi je l'ai vu. Je l'avais vu, Dieu me l'a révélé. Et ses fesses sont comme la coquille de l'escargot. Examine bien, fais attention à ces révélations. Et pour que tu ne mentes pas dans le compte de Dieu. Les gens ont dit c'est Dieu qui nous ont montré cela. Et dans leur mariage, un an après, 2 ans après, erreur. Et il dit c'est une erreur. Et lequel des dieux te l'avait révélé avant? Je ne vais pas continuer avec cela. Examine donc bien ces choses. Écoute Dieu. Il continue en disant. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Ce qu'on te demande de faire,
et préserve-le et attache-toi à le faire. Fais uniquement ce qui te revient. Ne presse personne. Et si c'est le ministère, attache-toi à ton ministère. Et si quelqu'un enseigne, il s'attache à son enseignement. Frères et sœurs, l'enseignement c'est un art. L'enseignement, c'est un art. Il n'est pas donné à n'importe qui d'être enseignant. Hein? Alors enseignant, que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Il y a certains qui sont intelligents. Bon, oui. Ils connaissent. Ils ont le savoir. Transmettre. Mais transmettre le savoir, c'est un problème. Nous voilà. Oui. Vous savez ça? Est-ce que vous le savez? Chose. Chose bon, je pense que vous avez déjà compris. Hein. Bon, je pense qu'ils ont compris. Comment? Tu n'as rien dit, tu dis qu'ils ont compris. Mais Glorico et le beau au Ségoméen. Tu dois voir la pédagogie. Et tu dois savoir comment capter, amener les gens. Intéresser et capter les gens avec ta matière, pas ta matière. Oui. Oui. Nemunenewa. Sinon, les vidéos ont témoigné excellent les matières d'homme. T'as flatté les chichagbegbele. C'est quoi le gomme de Jamaïta? Les enfants, certains enfants n'ont pas été excellents dans certaines matières à cause. Et disons, excusez-moi, du mauvais enseignant qu'ils ont eu. Oui. Voilà. Mais moi, la mathématique, ça ne va pas. Je comprends bon, rien. Il y a d'autres. Mathématique, elle vit vie là-haut. La mathématique, c'est un délice pour eux. Parce que leur enseignant lui-même, quand il prend la craie et qu'il commence, et les autres voilà, aussi c'est la courbe, ça. Oui, ça c'est vrai, c'est l'accepteur. Ok, ah, oui, oh, c'est clair. Et tout le monde comprend. Alors tous sont contents. Et certains, quand le professeur d'anglais arrive, devient aussitôt le roi. Les enfants s'enfuient, ils sortent de la classe. Parce que, mais qu'est-ce que je vais encore dire aujourd'hui? Il y a d'autres professeurs d'anglais. Même quand ils le voient dans la cour. Et ils sont déjà contents de le voir. Et la bena est maîtrisée, il matière. Et parce qu'il maîtrise sa matière. Il a dit que si c'est un enseignement, attache-toi à ton enseignement. Si c'est l'exhortation. Exhorte. Et enseigner, c'est différent d'exhorter. Certains sont là pour encourager. Ils peuvent consoler. Mais si tu t'oublies, c'est fini. Tu chercheras à les enseigner. Et tu vas mal enseigner. Fausse doctrine. Et tu vas enseigner une fausse doctrine. Et tu diras autre chose. Que celui qui donne le fasse avec libéralité dans la joie. Donc, c'est un don. Celui qui préside, qui le fasse, et tous ne peuvent pas présider, diriger les gens, les motiver, et les encourager, les mettre à chacun à sa place. C'est un don. Nounanaï. Praise the Lord. Alléluia. Celui qui exerce la miséricorde, qu'il exerce avec joie. Frères et sœurs, que l'amour ne soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Voilà. Il dit, Amen. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Amen. Révèle donc ton talent. Aime ton frère de tout ton cœur. Apprécier. Et apprécie-le. Et dis-lui, tu as une bénédiction pour praise moi. Lord. Alléluia. Et commence à le respecter, à l'honorer. Parce qu'il a une richesse pour toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mets-toi debout, nous allons prier. Ah!
Amen. Amen. Et à ta nièbe, me fait venir à Yehoa. Pour cela, tu es très important devant l'Éternel. Que sinon, nous n'ayons pas de la. Tu as une richesse pour l'Église. Chacun est bien debout. Mets-toi debout, nous allons prier. Non, prions tous ensemble maintenant. Et donne ta vie au Seigneur. Dis Dieu aide-moi. Que je sois saint. Que je sois pur. Toute haine. Qu'elle sorte de ma vie. Toute colère. Qu'elle sorte de ma vie. Je l'ai compris ce matin. La différence de mon frère est une richesse pour moi. Dans le nom de Jésus. Je vais aimer mon frère. Je vais fortifier mon frère. Je vais aider mon frère. Il a un don. Il a un don pour la famille. Un don pour l'église. Un don pour le peuple. Et Saint-Esprit, aide-nous. Que chacun révèle pour sa part. Que chacun révèle pour sa part. Que chacun révèle pour sa part. Que chacun manifeste pour lui. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère m'a surpris. L'esprit d'Abimelech. Qui soit brisé. L'esprit des habitants de Sichem. Et tout ce qui vient de la famille. Et demeurer dans la chair. Maudit ces esprits. Qu'ils s'éloignent de moi. Qu'ils soient totalement détruits. Que leurs yeux soient détruits. Dans le nom de Jésus-Christ. Prie maintenant pour l'église.
Que la potentialité de chacun se manifeste. Que le don de chacun soit en fonction. Oh, Yehova. Éternel. Et le don de grâce, il est abondant au milieu de nous ici. Que chacun révèle pour sa part. Jésus-Christ. Aide-nous. Et personne ne va laisser pour le temps de nous. Personne ne va laisser ses potentialités. Que cela arrive ainsi. Tous les dons. Tous les outils. Dans le nom de Jésus. Et tu les amènes pour une certaine œuvre. Et qu'elle soit manifeste. Qu'elle soit manifeste. Ils sont une bénédiction pour nous. Ils sont des richesses pour nous. Jésus Christ. Dans le nom de Jésus Christ. Nous te remercions, notre Dieu. Nous célébrons ton grand nom ce matin. Nous le comprenons. Que les dons sont venus de toi. Et ces dons sont différents. Et chacun est important pour l'église. Nos différences à nous constituent une richesse. C'est une bénédiction. Et ainsi donc tout ce qui est des disputes, tout ce qui est une haine, tout ce qui est une division, nous les maudissons ce matin, nous les renversons tous dans le nom de Jésus-Christ. Ta main merveilleuse est venue sur tes enfants. Chacun sera à son poste. Chacun exercera son ministère. Chacun va commencer à honorer son père. Parce que nous sommes membres les uns des autres. Merci à toi. Car à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de division dans ton corps. C'est accompli pour toi ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame très fort Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Ne l'oublie jamais. Que nos différences sont des richesses. Nous allons continuer le jeudi. Tes potentialités à toi. Alors je vous prie de vous mettre debout. Et pour recevoir la bénédiction. Akpe nama o la na miama o na miama o si romi la e romi la e promi tu e
C'est accompli pour toi ainsi. Que tu deviennes un instrument parfait, spécial dans la main de l'Éternel. Car la différence que sinon nous va apporter les richesses sur ta vie. Et à partir de ce matin, tu as identifié ta personne. Merci à l'Éternel. Et toi, tu prospères. Va dans cette puissance. Car le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Trois de nos vies ont dit. Tourne-toi vers ton prochain. Et la et dis-lui. Nos vignes. Mon frère, ma soeur. Nos vignes. Oh, mon frère, ma soeur. Et c'est que feigne. As-tu entendu les paroles d'aujourd'hui? La différence. La différence. A Jesse Lopio. Connais-toi toi-même. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous votez toi, l'eau.